sur Nord au Gym en ligne. On espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Rana et moi, on est vraiment contentes de vous retrouver dans une nouvelle capsule. Et aujourd'hui, c'est mes capsules préférées. Merci. Toi aussi, c'est ta préférée. Sont plus difficiles, mais mon Dieu, qu'on se sent bien après les avoir faites. Oui, c'est ça. Hein? On se sent énergie, on a travaillé fort, on est fiers de nous. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui encore, on va être fiers de nous. Puis on va faire les exercices de cardio debout et assis selon nos capacités. Donc, moi je vais faire les exercices debout. Rana va essayer de les faire debout. On va montrer également comment vous pouvez les faire assis. Puis, selon, c'est ça, la fatigue, on pourra modifier. Donc, avant de vous installer, par contre, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, préparez-vous bien à bouger. Préparez-vous. On commence juste après cette intro. Je vais vous rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Vous ne pourrez pas les faire de la même façon que nous. Essayez de les modifier. Vous allez voir, Rana ne les fera pas de la même façon que moi non plus. Donc, essayez de les modifier, d'aller moins loin. Vous pouvez aller moins vite également. Allez vraiment selon vos capacités. Puis, si ça ne fonctionne pas, que c'est trop difficile, faites-les pas. Faites-en d'autres. Ou faites-les assis. Ou vraiment, vous pouvez en faire avec les bras si vous voulez. Et si jamais vous avez de la douleur aussi, modifiez-les ou faites-en d'autres. Sur ce, assez parlé, c'est le temps de bouger. On y va! Exercice. On va faire un mini squat qu'on va faire comme si on faisait un saut. On va essayer d'aller sur la pointe des pieds. On va contracter les mollets. Donc on va travailler en puissance, on va faire comme ça. Si vous êtes assis, c'est la même chose. Je vais vous essayer de lever comme ça, le plus possible. Si vous voulez ajouter comment je faisais avec les bras, oups, pas avec les épaules, mais comme ça. Donc, vous pouvez faire un mouvement des bras comme ça. Si vous ne pouvez pas vous mettre debout pour aller chercher un petit peu d'intensité. Pour moi, c'est difficile ça. Parce que je ne suis pas capable de pousser. Est-ce que tu as des contractions? Je ne sentais pas, non. Ben, tu peux pousser avec tes bras aussi comme ça. Okay. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais Anna a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de mouvements. Si elle fait assis, elle n'aura pas nécessairement de mouvement. Donc, elle va pouvoir continuer les mouvements avec les bras. C'est ce qu'on a convenu. Mais sinon, debout. Puis elle peut se pousser comme ça aussi, là. Donc, ça va faire... Est-ce que c'est exigeant, ça? Non. Hein? Un peu. Un peu? Tu vas avoir la répétition pendant 30 secondes, ça va être quand même exigeant. OK? On y va, c'est parti! Hop! 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 Puis c'est un peu en puissance, on travaille les fessiers, les quadriceps travaillent aussi, pas juste les chevilles. Hop! 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 Allez, allez, allez! On lâche pas, ça va, Rana? Ça va? Ouh! Est-ce que c'est difficile? Oui! Ouh! Moi, je commence à me sentir les mollets. Où est-ce qu'ils travaillent fort? J'ai mis la montre, t'inquiète pas. Ok. Oui, c'est bon, excellent! Ouh! 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 Je l'ai bien senti dans les mollets. J'ai fait push-up! Ça fait des push-up beaucoup! Allez, on lâche pas, il en reste juste 2-3 secondes. Okay. Une minute, tu existes. Une minute. Une minute d'exercice, c'est bien ça, oui. Ah, ouais. On n'a pas l'air convaincu, mais bon. Allez, vous allez voir, ça va passer vite. OK? Et c'est parti. Hop! 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 Super! Hop! 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 Attention! Essaye de garder tes pieds. Pousse, essaye de pousser. Avec tes mollets, pousse avec les mollets, pousse avec les mollets. On lâche pas, lâche pas, lâche pas. Ouh, oui, je sais. On lâche pas. Excellent, super. On va s'asseoir, on prend une petite pause. Excellent. Donc, si vous avez besoin de prendre une pause, prenez une pause. Mais il reste 1,30 secondes. Okay. Si vous prenez une pause, on se retrouve dans quelques secondes quand vous êtes prêts. Sinon, on y va! C'est parti! Allez, hop! 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 Excellent! On lâche pas, lâche pas, lâche pas! Si
vous faites pas 30 secondes, il n'y a absolument aucun problème. On va travailler super fort, je suis fière de vous. Wouhou! C'est normal d'être fatiguée. Moi aussi, j'ai de la fatigue. Moi aussi! C'est fini! Wouh! Super! Allez, on continue pour ceux qui sont capables. Excellent, il faut s'écouter. Oui. On s'arrête quand on n'est plus capable. C'est tout à fait normal. OK. Excellent. Hey! Yes! Super bien travaillé. Oui. On a terminé. Ouh! J'espère qu'on arrive à vous motiver et que vous aimez faire les exercices avec nous. En tout cas, nous, on aime beaucoup ça. Puis, on est vraiment contente que vous soyez avec nous, vous nous suiviez. Puis, on est aussi très contente quand vous nous écrivez vos commentaires et vous nous dites que vous appréciez et que vous améliorez. Puis, ce qu'on aime vraiment, c'est quand vous faites un pouce sur la vidéo, vous faites j'aime, quand vous vous abonnez à nos plateformes. Ça nous aide beaucoup. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les trois, hein, ça va nous aider beaucoup. Notre objectif, c'est d'aider les gens à faire plus d'activités physiques, d'aider les gens dans leur processus de réadaptation, à rester motivés, à persévérer, à s'améliorer. Puis on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se mettre des objectifs puis travailler à les atteindre, parce que ça a plein de bienfaits pour plein de choses, comme je te dis, pour la santé mentale également. Donc, vous pouvez nous aider dans notre objectif en vous abonnant à nos différentes plateformes et en partageant un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Sur ce, bien, on... Merci pour travailler avec nous. Oui, merci de travailler avec nous. On est vraiment contentes et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir Prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!